Jordan Deluxe. Rectorat, bonjour. Je suis le papa d'un enfant là qui va bientôt passer le bac. Oui. Qu'est-ce qu'il risque si jamais il triche ? Une tricherie, c'est 5 ans. Et s'il va aux toilettes avec son iPhone, personne ne va le cramer ? Vous avez interdiction de sortie. Hein. Et si je lui fais faire un faux papier là par un pote médecin disant qu'il a une vessie en plastique et il faut qu'il aille aux toilettes toutes les demi-heures, c'est bon là ? Ça, c'est différent ça. Donc ça, c'est le bon plan. Il a droit à un tiers-temps en plus. Hein. Oh, génial, bah c'est dans la poche. Ah, il faut déjà un médecin ? Non, mais c'est bon, j'ai un pote qui est dans le médical, donc pour vous, c'est la meilleure technique. Ça, oui. Bah, le médecin va... Mais écoutez, ce que je vais faire, monsieur, je vais vous mettre en relation avec la division des examens et concours. Hein. Je préfère, parce que je veux pas non plus dire des bêtises. Bah non. Vraiment faut... à même de bien répondre à votre question. Le but, c'est qu'il se fasse pas prendre. Moi, je veux qu'il triche, mais de façon honnête, quoi. Oui, tout à fait. Oui, allô ? Je voudrais juste que vous me confirmiez que si mon enfant a un faux papier du médecin stipulant qu'il a un problème au niveau de la vessie, il peut aller aux toilettes toutes les 30 minutes pour pouvoir tricher. Et dans le cas contraire, est-ce que vous pourriez fermer les yeux ? Vous me téléphonez pour me demander de fermer les yeux pour que votre enfant ait son bac. Écoutez madame, il a le QI d'un escargot de Bourgogne, moi je fais quoi avec ça? Moi je craque, il regarde les anges de la télé-réalité toute la journée. C'est pas trop drôle. Il est fan de Nabila. Vous me faites rire. Je vous en supplie, une technique quoi. Pour avoir son bac sans travailler et en trichant. Oui, j'ai de l'argent. Combien ça coûte? Voilà, il faut que je négocie. Alors je suis avec une enseignante. Combien on pourrait demander pour fermer les yeux pour le bac? 500? Non mais vous rigolez, c'est pas assez. 800? Non mais vous plaisantez, c'est pas assez. Donc vous voyez bien, on peut pas parler là. Vous voulez négocier au rabais le bac. Bah c'est combien vos tarifs à vous? Je sais pas, on m'a jamais posé la question, il faudrait que je réfléchisse. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone pour vous rappeler? Comme ça je pourrais vous dire le prix. Ah vous perdez pas le nord au rectorat hein. C'est trop drôle. Ah bah dis donc, au moins tu l'as fait rire, c'est bien. On a fait rire le rectorat. C'est beau, non? C'est vrai que tu les as tellement fait rire durant toute ta scolarité déjà.